Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la plateforme sur un nouvel épisode de Mad Max. Hop. Donc, dans cet épisode, nous allons faire comme prévu dans le dernier le campement. T'arrêtes de me péter mes pneus. Le campement qui nous reste dans cette zone. Si j'essaie de conduire correctement, ce serait mieux. Donne-moi ta portière, merci. Ah, je peux pas prendre le pilote. Marrant ça. Ah, je me suis trompé de route. Boum. Pour peu qu'ils me suivent, ça va être cool. Quand faut-il qu'il arrive à me rattraper. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Bah de toute façon, ça va pas être trop dur de me rattraper. Ah bah il a disparu. Donc j'espère que tout va bien pour vous, chers amis. J'espère que tout se passe bien, que ce playthrough vous plaît toujours. Une voiture enterrée. Pète les couilles avec ces voitures là lui. Une de ferraille, deux de ferraille. Des reliques sacrées, il n'y en a pas dedans. Mais bon. On continue. On progresse. Alors, je sais pas du tout combien de temps a duré le précédent épisode. J'avais dit que j'allais faire des épisodes de 30 minutes, mais je me suis pas rendu compte à cause du temps. Ah, tiens. On commence par ça. Hop là. Ah mince, je pensais que ça allait pouvoir passer dessus. Ah bah. Parfait. Hop là, on passe là. Ok. Hop. Défense du périmètre éliminée. Et une grande porte. Y'a moyen de passer à côté? Non. Voilà! On est rentré. Bon! Alors ici nous avons 7 ferrailles, 3 emblèmes et une relique à trouver. Parfait. Ah ah, j'ai checké quand même là. Apparemment on n'a pas besoin du baril, donc c'est cool. Alors. Là ça ressemble par contre à une arène, je suis désolé. Ah, les voilà. Aboyeur en alerte. Salut les mecs. On est à plus de 21. Ah, 34 de combo, putain, dommage. Je croyais qu'il allait me frapper plus vite que ça, le trou du cul. Ouah ! Voilà. Hop, dommage. On avait moyen de monter jusqu'à 40 de combo, bah 25 ou plus, parfait. Niveau 10, c'est génial. Alors ici aussi on a un cadavre à récupérer. Donc vous voyez qu'avec un petit peu de concentration on y arrive bien. Faut pas grand chose au final. Ça c'est une porte explosive ça, non? Ah non, d'accord. Hop là. La bouffe. Je
Je saurais pas dire si c'était un homme, une femme, un homme, je dirais. Et là aussi un homme. Bon. Ça va, ils subiront pas tout mon courroux en fait. C'est joli ça. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Ça a l'air d'être gigantesque une fois de plus. Une lance. C'est cool. J'en ai pas encore utilisé, je crois, des trucs comme ça. Donc je vais pouvoir peut-être empaler quelques ennemis dessus. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Alors avant de descendre, je vais aller regarder là. Et ça continue. Bon bah écoutez. Non, je voudrais d'abord regarder autour s'il n'y a pas quelque chose là, genre là. Non. Rien du tout. Alors il y a un beau bouclier. Ah mais non, mais c'est une lance, tu piques avec. Boum. Hop les. Raté. Raté. Boum. Boum. T'apprendras à te foutre de ma gueule. Bah lui c'est triste la fin. Guerrier de la route. Ah. Je crois qu'on a atteint le niveau max, chers amis, pour enfin, le niveau max de max, littéralement. Je ne suis pas tout à fait sûr encore. Cartouchière de milicien. Ouh. Ouh, ça fait mal, ça. On va prendre ça. Alors, j'avais dit qu'on garderait nos 1500, on verra bien le moment venu. Hein. Quand on les aura, on les mettra dedans. Barbe et cheveux longs avec bandana. Oula, non, surtout pas. Surtout pas, on va regarder le max normal, ça va être parfait comme ça. Voilà, le max normal est parfait tel qu'il est. Hop les. Ici aussi. Alors, est-ce qu'on a des armes sympas? Des espèces de pelles. Enfin, des espèces de pelles slash hache. On verra bien ce que ça donnera. Ah, un emblème, le premier. 1, 2 et 3! Là, y'a rien. Là, apparemment, y'a rien non plus. Et là, y'a une porte. Et un. Et deux. Et trois. Alors, qu'est-ce que j'ai par là? Une espèce de grande zone ouverte. Ok. On remonte. Ah, excusez-moi, je me grattais les sourcils. Là, 1, 2 et 3. Putain, ils veulent vraiment pas qu'on y arrive jusque là. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dans le coin, mais... Un de ferraille, il y a une échelle. Putain, mais c'est génial comme endroit, c'est labyrinthique à souhait. Alors si le jeu évolue toujours dans la complexité comme ça depuis le début, ça va être vraiment génial d'aller jusqu'au bout. Hein. Oh, par contre, si de là... Oh, de là, je pourrais le péter, le machin. Ah, puis il y a le truc de Scrotus. Ah non. Oh non, je suis vexé. Bon bah je reviendrai là pour le péter. Faites-moi penser à ça, chers amis. Emblème de Scrotus. Ah mince, c'est cette touche là. Hop, parfait. Non non, je vais pas le tirer de là. J'ai dit que j'allais pas le défoncer d'ici. Donc je ne vais pas le faire. Hop. Donc là c'est de là que je viens, ok. Alors je vais traverser, je vais de l'autre côté, on va faire le boulot comme il faut. On a toujours plus d'essence, donc ça on n'y touche surtout pas. On va faire quelque chose de spectaculaire pour la fin, chers amis, tant pis si on y prend l'épisode. C'est pas grave.
Ah, l'emblème de Scrotus numéro 3. C'est donc le dernier. Allez, hop. 1, 2 et 3. Non, tombe pas dans le trou. Alors, de la ferraille, ça fait 5 sur 7. Ok. Je commence à voir plus ou moins où je suis. Hop, l'échelle. Parfait. Ok, donc on va reprendre par là. Il me semble. Oui, c'était par là. Hop, il y avait d'autres chemins. Genre là, il y avait celui-ci. Donc c'était pas un chemin au final, c'était juste un cul-de-sac. Alors j'espère y trouver les deux de ferraille et le truc qui reste, parce que sinon on voit déjà un de ferraille. Ça c'est cool. Hop. Alors, un de ferraille. Par là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Deux de ferraille, parfait. Et il me manque donc la relique historique. Alors ça c'est beaucoup plus problématique parce qu'elle est... On a pu voir dans un des précédents épisodes qu'elle était assez invisible entre guillemets. En tout cas assez peu visible. Ah là 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 là, ça c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Hop là. Alors. Qu'est-ce qu'on a par là? Oui d'accord, je vois à peu près où est-ce qu'on est. Où nous sommes. Là je vois toujours les mêmes armes qu'on a pris tout à l'heure, enfin qu'on a battu tout à l'heure, le gros combat. Alors, est-ce qu'elle est dans le truc là? Non. Qu'est-ce qu'il y a dans cette zone là? Non, là il n'y a que la bouffe. Pas 30 millions de chemins non plus. Oh. Non, non, ça ce truc là j'ai déjà visité tout à l'heure donc non. Remontons là-haut, peut-être qu'elle est là-haut. Hein. Il y a une zone que je n'ai pas fouillée depuis. Oui, devant je crois que je l'ai pas fait. Voilà! Bon! Parfait, chers amis! Oh, c'est joli! Avis à la population: en cas d'accès de fièvre et de violente nausée chez les nourrissons, placez immédiatement en quarantaine l'enfant et les personnes ayant été en contact avec lui en raison d'une forte présomption d'infection. What? Like a body, every organ just shut down. Et le monde est mort. Oui, d'accord, c'est suite aux radiations. The world was dead. D'accord. Alors, et nous on va se faire plaisir, chers amis, on va faire ça bien. Raté! Ah, je suis vexé! Il y en a un autre, parfait. Hop. Touché! Voilà! Ça c'est beau, chers amis! Boum! Ah! Ça c'est bon! Là, ils vont me respecter dans la zone, à mon avis. Nouvelles améliorations débloquées dans le garage. Ah bon? Ah oui, parce qu'on est passé niveau 2. Ah! Ouh! Ah, ça c'est une mission. Oui, d'accord. 900! Ouh, c'est balèze ça. Par contre, on a les 1500 donc de Good Gatch. Coûte 900 aussi celui-là. Ah la vache. Ouh, celui-là ressemble à. Ouh. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a au niveau des pneus? D'accord. 900 aussi, ça coûte extrêmement cher. Ok. Nous on va se téléporter si possible, on va se téléporter chez Jit. Voilà. Et on va aller voir s'il n'y a pas un deuxième endroit pour foutre de la ferraille. Tiens. Tiens. Hop. Alors, je crois qu'on a donné 500 la première fois et 1000 la deuxième fois. Autrement dit ça fait 1500 total.
Alors, est-ce que ça évolue sur quelque chose ou pas? Non. Il m'en redemande encore. 1500 derrière. Ah oui, c'est balèze quand même. C'est drôlement balèze. Alors comme vous pouvez le voir, c'est pas encore blanc comme là, c'est encore très très jaune. Parce qu'il reste en fait les différents trucs de mine à faire. Du coup. Il y avait pas, j'ai dit, une course à faire dans le coin. Non, non, c'est pas dans celle-là. C'était pas dans celle-là, ok. Alors ici, il nous reste de la ferraille, la ferraille, la ferraille, la ferraille. D'accord, la course et les trois là. Bah écoutez, on va aller se faire, vous savez quoi, on va aller s'amuser. On va aller se faire le convoi. Le convoi va peut-être nous rapporter un petit peu de scrap. Et surtout, beaucoup de contrôle sur la zone. Hop, parfait. Allons-y. Alors, par contre, j'aurais bien aimé que tu me gardes le... Hop. Voilà. C'est parti. Allons chercher ce convoi. Comme vous le voyez, je suis plus ou moins en forme. Boum. Alors. Comment ça va, les mecs? Dégage. Raté. Enfin, j'en ai pris un petit coup dans le nez, mais... Ok. On sort plutôt bien. J'aimerais simplement rester sur le... Ah putain, encore là. Hop. Raté. Tiens, viens par là, toi. Et un pilote en moins. Bim. 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 Et maintenant, après le bim, il est l'heure de faire boum. Voilà. Allez, venez vous battre. Mais non! Voilà, en avant de capot avec un casque de moto. Quittez. Hop. Bah allez les mecs! Sortez de vos voitures! Bah alors, vous n'arriverez pas à m'avoir comme ça! Ah, je pensais qu'il allait rouler dessus. Non. Oh. Oh. Bim, le coup de coude. Bon. Ça, c'est fait. Par contre, il y a des gens qui arrivent. Maintenant, on va se diriger vers ce truc-là. Il se barre! Il fuit! Il me fuit, les mecs! Hop, on va aller se faire les derniers petits trucs. Les derniers épouvantails à faire de la région, on va aller se les faire tout de suite. Regardez ça.
Boum. Et de 1. Aïe. Ouais, ça j'étais con. Hop. Allez. Quand même un gros manque de puissance sur ce véhicule. Ah bah pourquoi? Pourquoi non? Voilà. Voilà. Ça marchera très bien. T'as pas à me dire non quand y a pas de raison, jeu. Ah. Bon. Bon, voilà, on y retourne. Bon, je fume un peu, mais c'est rien. C'est dans votre tête, chers amis. Alors. Oui, on suit la piste, vous inquiétez pas. On est encore sur la piste. Ah non, il y avait bien un chemin. Aïe. C'est là qu'est le danger, chers amis. C'est là qu'est le danger. Hop, on l'a laissé coller au poteau, littéralement. Hop. Sacrifice de la voiture. Non, ça va? Ça va. Alors, du coup, on va se téléporter comme des gros lâches à la forteresse de Goodgash. Hop. Alors. Voilà, le projet de pétrole peut être construit. Voilà ce que je voulais absolument faire. Il doit pas être trop loin, donc ça doit être le récolteur d'eau. Voilà. Là-bas, on a le truc. Le pétrole. J'aurais pensé qu'il aurait été très proche des voitures, ça me semblait assez logique. Je me suis peut-être trompé. Là, il y a une pièce vide, ce que je n'apprécie vraiment pas. Enfin, une pièce inaccessible, pardon, pas vide. L'un ne veut pas nécessairement dire l'autre. Bon, ça va, ils sont vivants, il n'y a pas de problème. Mais je suis curieux de savoir ce que c'est que cette histoire. Hop. Ah, le voilà. Alors, j'aimerais que ça ne déclenche pas le... Merci. Hop, parfait. Puits de pétrole. Ok. Parfait. Parfait, parfait. Et donc, chers amis, on va se téléporter à nouveau. Et on va aller directement donc chez Jit. Je sais pas si c'est utile ou pas, mais en tout cas je pense que ça l'est pour les bonus qu'il offre. Au niveau donc du rechargement de munitions et tout ça, de la réparation, etc. etc. Enfin de comment du. Ah, je me suis trompé dans l'endroit. Je me disais ça me semblait assez proche. Hop, cette fois on est bon. Et donc on verra la prochaine fois si on peut pas lui donner 1500. Putain, ça fait mal au cul. 1500 scraps pour son endroit. Donc voilà les amis, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce vériser, à la commenter, à la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Pérou, on peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à cliquer dans les liens de mon descriptif de l'épisode vers mon partenaire gamesplanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu et je les en remercie. Quant à moi, je vous dis à demain pour d'autres vidéos sur Mad Max et les autres vidéos qui vont avec. Salut les gens.